Merci à vous. Bonjour à l'ensemble des élus, des responsables des échanges qui sont autour de moi, puisqu'il faut être rapide. La première chose quand même, c'est d'abord de féliciter la GIA, de féliciter également les finalistes, les deuxièmes. Et puis remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cette belle organisation. C'est un véritable succès. C'est aussi, j'ai envie de dire, beaucoup de pêche. Beaucoup d'alors, je vous ai regardé jouer, franchement, nous ne pouvons qu'être admiratifs. Je voudrais aussi quand même remercier mes collègues et les représentants des différentes villes jumelles qui nous ont rejoints cet après-midi, Yavor, Sagrévy, Canté, Yablok. Tout ça c'est bien, ça aussi ça donne des couleurs à l'Europe. Il suffit de regarder vos maillots d'ailleurs, c'est un peu le cavalier d'Europe et c'est très bien. Merci à vous et on recommence l'an prochain, merci. La 7e édition du tournoi AJA Futsal 2015 s'est tenue au complexe sportif René-Yves Aubin à Auxerre. Cette manifestation a réuni 20 clubs, essentiellement des clubs du département de l'Yonne. Grâce également aux relations entretenues avec la maison de jumelage, le tournoi a accueilli 4 villes jumelles venant d'Italie, d'Allemagne, de Pologne et de la région Alsace. Les rencontres ont débuté à 8h50 pour s'achever à 16h20 pour la grande finale du tournoi. Les jeunes U11 ont donné un magnifique spectacle. Le tournoi futsal 2015. Tout au long de cette journée, pas moins de 64 matchs qui se sont déroulés sur deux terrains dans une belle ambiance orchestrée par les parents et supporters. Non. C'est bien calme, ouais. Ouf. Oh, bien. Sans oublier les rencontres, on mit aussi bien les attaquants que les gardiens en valeur. Bravo à tous les jeunes. La finale, remportée par l'AJA, par 2 à 0, contre le F3CA. Et cette journée s'est donc achevée par une remise des récompenses en présence de monsieur le maire d'Auxerre, Guy Ferrez, monsieur Régis Calmu, président de l'Office municipal des sports, des représentants de la maison des jumelages, messieurs Truffaut et Hébert, membres de l'association AJA, et enfin monsieur Jean-Luc Panucci, entraîneur de l'AJA. Félicitations aux bénévoles et aux partenaires qui ont œuvré pour que cette nouvelle édition se passe dans les meilleures conditions. Alors, chers amis d'Auxerre, et une clé USB où il y a toutes les photos du tournoi dessus de l'après-midi.